Chaque jour, Akili rend visite à Maman Poule et ses 5 poussins. Mais aujourd'hui, quelque chose de merveilleux est arrivé. Mère Poule avait 5 nouveaux poussins. Elle a maintenant 10 bébés. Akili a donné à chaque bébé poule un cadeau et un bisou. Maintenant, il est temps pour Akili d'aller dormir. Bonne nuit, Akili. Hey, où se trouve Akili? Tellement de papillons. Et quel ciel bleu! Elle est à La La Land. Kabanga! Woo! Hey, Akili! Come here! Ah! C'est Happy Hippo, l'ami d'Akili. Elle nage dans la piscine avec les 10 bébés poules. Hippo. Voyons si Akili peut compter les poussins en anglais. 1 2 3 4 5 Mais tiens, Akili ne sait compter que jusqu'à 5. Peut-être que Happy Hippo pourrait l'aider pour compter jusqu'à 10. 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Oh, il y a quelqu'un dans cette forêt. Look, regarde. Happy Hippo est très content. Ça doit être quelqu'un de très spécial. La mère de Happy Hippo est dans la forêt. Elle ramasse des fruits dans la forêt. Let's go. Mère se dit mother en anglais. Hello, I am Mother Hippo. Hi, Mother Hippo. I'm Akili. Oh, Maman Hippo n'est pas seule. Elle porte un petit bébé hippo dans ses bras. Happy Hippo est une grande sœur très fière. Maman Hippo est si fatiguée. Elle a ramassé tellement de fruits, elle doit se reposer. Happy Hippo va appeler tous les poussins à l'aide. Maman Hippo ramasse des fruits et en fait de délicieux jus. Pousse une grosse pastèque avec son petit pied. Get two fruits. Poussin numéro 2 roule 2 ananas en descendant la colline. 2 3 get 3 fruits. Chip chip chip. Ah!
voit, monte un arbre et est en train de le secouer pour faire tomber trois noix de coco à terre. Attention à vos têtes! Waouh! Numéro 4 joue avec 4 avocats. Celui-ci porte 5 mangues sur sa tête. Bravo pour ce numéro 5. Good job. 5. Bravo tout le monde. Mais il y a 5 autres poussins qui ont encore du travail. Maintenant, peux-tu aider Akili à se souvenir de comment on dit 6 en anglais? Oh, un petit songe agité a failli prendre les bananes de notre sixième poussin. Mais heureusement, il a réussi à les ramener aux autres. Ouf! Yay! Hooray! Six! Seven, get seven fruits! Numéro 7 est monté sur un arbre et s'est mis à sauter sur une branche. Heureusement, les 7 oranges sont toutes tombées. Maintenant, te souviens-tu de comment on dit 8 en anglais? 8! Get 8 fruits! Wow! Numéro 8, c'est un joueur de football. Il a réussi à botter 8 goyaves en même temps. Numéro 9 se glisse dans une feuille en descendant de la colline avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fruits de la passion. Maintenant, le prochain numéro, c'est un chiffre vraiment grand. Dis-le fort pour aider Akili avec ce gros chiffre. Numéro 10 est très intelligent. Il a emporté toutes les 10 cerises dans une voiturette. Quelle délicieuse boisson ils sont en train de faire avec tous ces fruits. Maintenant, il est temps de la donner à Mama Hippo. Elle sera très contente. Oh, hello! Akili, Happy Hippo et les 10 poussins ont donné le jus à Mama Hippo. Oh, thank you! Mama Hippo est tellement contente! Une délicieuse boisson, c'est justement ce dont elle et le bébé avaient besoin. Akili! Akili! Mother? La maman d'Akili l'appelle. Cela signifie qu'Akili doit trouver l'arc-en-ciel qui pourra la ramener à la maison. Bye, Mother Hippo! Bye, Baby Hippo! Bye, Happy Hippo! Bye! Bye. Let's go! Ils sont arrivés à l'arc-en-ciel. Mais Akili ne peut pas encore entrer à la maison. Il y a un nuage de mots qui leur bloque le chemin. Il veut qu'Akili compte jusqu'à 10 en anglais. 1, 2, 3, 4, 5. Six! Yeah, six! Seven, eight, nine, ten! Ten! Beau travail! Akili est de retour dans son lit avec 10 poussins autour d'elle. Akili se lève, fait un bisou à son petit frère et se prépare pour une nouvelle journée. Elle a tellement hâte que le soir arrive pour aller au pays magique, à La La Land, une fois de plus.
Hey there, friends. What time is it? It's time for the alphabet. C'est E. C'est pour éléphant. Éléphant. F, c'est pour famille. Famille. G, c'est pour gâteau. Un très gros gâteau. H, pour hippopotame. Mon ami Happy Hippo. E, F, G, H. L'alphabet, c'est génial. I, c'est pour insecte. Insecte. J, c'est pour joyeux. Nous sommes tous. C'est pour question, à qui il pose des questions. M, N, O, P, Q, nous chantons l'alphabet pour vous. R, c'est pour rouge, en haut de l'arc-en-ciel. S, c'est pour soleil, soleil. T, c'est pour tigre, tigre. U, pour uniforme, deux uniformes identiques. V, c'est pour village, voici notre village. R, S, T, U, V, chantons l'alphabet ensemble. W, c'est pour wagon, deux wagons qui roulent. X, pour xylophone, la musique aux xylophones. Y, c'est pour yeux, regarde avec deux yeux. Z, c'est pour zèbre, zèbre. W, X, Y, Z, c'est l'alphabet de A à Z. Bouche Baby est prête à être créatif. Bouche Baby n'est pas sûr de ce qu'il veut aujourd'hui. Peut-être tu pourras faire quelque chose pour tes frères et tes sœurs. Et si tu leur donnais un chiffre bien grand et joli, le même chiffre que leur âge? Nous pouvons décorer la maison avec eux. Est-ce que tu connais l'âge de tes frères et tes sœurs? Peut-être que ton papa pourrait t'aider. Ah ah! Ton frère a 1 an et tes sœurs... Oh! Ta sœur a 2 ans et l'autre 3. Je crois que tu peux le faire, Bouche Baby. Ils vont sûrement l'aimer. Wow! Wouhou! Wouhou! Wow, 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 wow! Il est temps pour le prochain chiffre, numéro 2. Wow, 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 wow. Le numéro 2 est un peu
intrigant. Oh, wow! Est-ce que tu sais par où commencer? Beau travail, Bush Baby! Maintenant, il est temps pour le dernier chiffre, numéro 3. Wow! C'est très bien, Bush Baby! Formons-les et puis colorions. Ah! Regarde les babies! Ils sont si contents! Bien joué, Bush Baby! Salut les enfants! Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire, une superbe histoire. Happy Hippo aime aussi lire des histoires. L'histoire d'aujourd'hui est... Mon merveilleux marché. Je suis allée au marché pour voir ce que je pouvais trouver. Les fruits et légumes étaient uniques en leur genre. Des bananes, des ananas et des goyaves en abondance. Et pourtant, il y avait tellement plus. Je suis donc partie explorer.
J'aime mon merveilleux marché. J'ai sauté par-dessus des flaques d'eau. J'ai traversé le sol boueux. Puis, j'ai vu des mangues juteuses regroupées par quatre. Mais il y avait plus. Je me suis donc promenée pour voir ce que je pouvais trouver. J'ai trouvé cinq pastèques sucrées en ligne droite. Mais il y avait plus. J'ai trouvé six avocats gros et verts. C'étaient les plus beaux que j'avais jamais vus. Mais il y avait plus que ça. J'étais fatiguée, j'ai bâillé, mais j'ai continué mon voyage. J'ai continué à marcher et, par chance, j'ai trouvé sept noix de coco. Mais il y en avait encore plus. Je me suis donc éloignée plus loin et j'ai trouvé des raisins. Ils étaient regroupés en grappes de 8. Qu'est-ce que je dois acheter? Je n'arrivais pas à me décider. Puis, une grande idée m'est venue à l'esprit. J'en prendrai un de chaque fruit. Une pastèque pour le lundi, une mangue pour mardi, un avocat pour mercredi, une noix de coco pour le jeudi et une grappe de raisin pour vendredi. Samedi, je reviendrai pour voir ce que je peux trouver. Oh, mon merveilleux marché est unique en son genre. Eh bien, à la fin, as-tu aimé l'histoire? Eh bien, jusqu'à la prochaine. Bye.